J'ai pas mal rendu froid, je vous avoue. Ouais, aujourd'hui on est mardi, il est présentement 9h15. Je viens d'aller m'habiller parce que là, j'étais encore en pyjama. Hier, je me suis endormie avec les cheveux. Ben, je me suis couchée les cheveux humides, puis je fais tout le temps une couette avant de me coucher. Puis je trouvais que, genre, il était pas si pire aujourd'hui. J'aimerais ça appeler. La coiffeuse, là. Là, je prendrai un rendez-vous. Je pense que je suis due pour au moins une petite teinture pour mes cheveux bruns un peu. Ma repousse, puis une petite coupe. Ouais. Je suis encore un peu fatiguée. Hier soir... Non, premièrement, matin, je me lève. Je me cogne la petite orteille, les amis, là, sur le coin, genre, du petit step en avant du foyer. Ah, ça a tellement fait mal, là, que là, genre, j'ai comme le petit côté de l'orteil qui saigne. Oh! Puis là, Francis me regarde, puis il dit, tu peux pas plus mal commencer ta journée de même, tu vas voir, ta journée va passer bien après. Mon Dieu! Comment bien reprendre ça? Donc oui, hier soir, pendant que j'ai décidé de... Hier, j'ai comme manqué le temps. En fait, j'avais fait un vlog tout le long du week-end, fait que j'avais fait vendredi, samedi, dimanche. C'était quand même un long vlog, mais genre, on a tellement fait de choses, je vous ai tellement parlé plein d'affaires. Puis là, je sais pas trop ce qui s'est passé, là, mais genre, j'ai supprimé des vidéos. Ou... Fait que... Je sais pas comment j'ai fait. Puis moi, quand toutes mes vidéos sont dans mon ordinateur, je vais supprimer ce qui est dans mon appareil sur la carte. Fait que je pouvais pas comme retourner dans ma carte puis juste les remettre dans l'ordinateur. Puis je me suis dit au pire, je vais essayer d'organiser. Mais genre, j'avais supprimé genre mon intro de vlog, genre, qui durait quand même une bonne couple de minutes. Fait que là, ça m'a comme découragée. Puis là, j'avais comme pas eu le temps de le faire du tout hier. J'ai vraiment pas bien géré mon temps. J'ai travaillé, je suis allée faire des commissions. Je pense que c'était pas tant une bonne journée. Fait que... Ben, c'est ça. Fait que je me suis dit que j'allais me reprendre aujourd'hui. Léo est avec moi. Je voulais faire mes ongles, j'ai pas le temps non plus. Fait que je suis pas fatiguée, j'ai plein de choses à faire. Je sais juste pas trop comment... Mais aujourd'hui, il fait full soleil, le ciel est bien bleu, fait que ça me motive. Là, j'étais comme marabout un peu matin après m'avoir pété l'orteil. Fait que là, j'étais comme, oh non, je voulais rester en pyjama. Puis j'étais comme, non, Audrey, genre, va t'habiller, ça va te faire du bien, ça va te starter la journée. Donc voilà ce que j'ai fait. Fait là, en fin de semaine, dans le fond, ce qu'on a fait... Ménage du linge à Léo. On s'était fait donner du linge, vraiment beaucoup là pour vrai. Fait que là j'ai comme fait un tri de ce que je vais garder à la maison, de ce que j'ai, de ce que je vais garder à la maison puis de ce que je vais apporter au chalet. Parce que vu que c'est beaucoup de linge, que c'est beaucoup de linge usagé qu'on m'a donné, fait que c'est comme dans le fond ma cousine m'a donné du linge, mais qu'elle a s'était fait donner, fait que tu sais en tout cas bref il doit y avoir 2-3 enfants qui ont passé, mais tu sais ça l'use pas tant là à l'âge à Léo. Fait que tu sais il y en a qui étaient sales, genre mettons sales de manger qui a pas parti, fait que tu sais ça souvent je vais les prendre pour le chalet, ils sont déjà sales, fait que je me dis tu sais même si sali mettons qu'on est dehors dans le sable, dans le bois puis le sali, ben il est déjà sale, ça me dérange pas. J'ai gardé du linge pour la garderie, puis j'ai du linge propre. Mais ça, on sort. Mais bon, on n'est pas prêt de sortir, là, mais en tout cas, un jour, on peut sortir. J'ai du linge pour sortir. Ouais. Fait que là, je voulais regarder qu'est-ce que j'avais pour savoir s'il fallait que j'aille acheter des vêtements. Ah ouais, tu t'es levé debout de même. Fait que à date, j'ai quand même beaucoup de shorts. Mais je crois qu'il va m'en falloir des plus comme, comment je pourrais dire, comme plus mou pour la garderie, tu sais, comme plus souple. Ouais, plus souple, ça va être mieux dit. Parce que là, j'ai beaucoup de shorts, mais comme en tissu quand même, genre pour aller, mettre au magasin ou,
T'sais, qui sont pas assez confortables selon moi pour jouer dehors, pour bouger comme qu'ils voudraient bouger. J'ai vraiment beaucoup de t-shirts. Fait que des pyjamas aussi. C'est tout du 24 mois, 18, 24. Fait que c'est ça. Fait que là, en tout cas, si là je décide d'acheter des vêtements, ça va être juste des extras parce que je serai pas capable de me contrôler. Parce qu'en tant que telle, je ne crois pas qu'il en ait besoin. Fait que la seule affaire que je pense qu'il va avoir de besoin, ça va être. Oui, ça va être des casquettes. Parce que là, j'ai comme un chapeau où est-ce que c'est comme rond, là. Puis là, tu peux plier en avant. J'en ai deux. Mais ouais, j'aimerais ça avoir une casquette. Puis après ça va être genre des sandales souliers, mais qui marchent. Parce que pour le moment, il s'en va vraiment bien, là. Genre là, je peux le tenir juste par la main, comme à côté de moi, puis il va marcher. Fait que je pense qu'à un moment donné, ça va y aller, tu sais, là. On est bien parti. Fait qu'en fin de semaine, on a fait ça. On a sorti le barbecue, on l'a mis sur le perron. Je crois qu'on soupe ça ce soir. C'est vrai, je dois trouver une recette pour faire mariner le poulet. Parce que j'aimerais ça qu'on se fasse des brochettes de poulet sur le barbecue. On a des piments, on a des oignons. Avec comme des cubes de poulet, ça va être bon. Fait que là, je vais essayer de trouver une marinade pour faire mariner le poulet. Ouais, faut que je fasse ça, c'est vrai. Ouais, on a sorti le barbecue. Après ça, j'ai sorti mes souliers. J'ai serré mes bottes. Mais, je me suis rendu compte que j'avais pas tant de sandales. Genre, moi, j'ai comme des sandales à grosses ganses, comme ou mes orteils. Puis, tu sais, je mets ça souvent, mettons, je vais leur chiller avec Léo dehors. Ouais, j'en ai une paire aussi pour le chalet. Mais j'en ai comme pas, mettons, belle, mettons, cute. Fait que j'aimerais ça. Faut que j'aille me trouver ça. Fait qu'on a fait ça. C'est ça, là, en fin de semaine, on a pas mal fait ce qu'il y avait à faire pour le printemps. On a lavé les fenêtres. Il reste juste les moustiquaires à laver et à installer. Sinon, pas mal ça qu'on a fait. On a joué dehors avec papa au travail. On utilise une machine Nespresso. Puis, là, en ce moment, j'en ai comme essayé quelques-uns. Mais tu sais, moi, c'est pas les mêmes cafés que j'utilise ici. Fait que là, j'étais comme nouvelle. Fait que là, je vous demandais un peu vos coups de cœur. Moi, en ce moment, j'avais goûté le truc aux noisettes que j'ai pas tant trippé. Puis un autre que je me souviens pas non plus. Bref, c'était pas tant. Les deux premiers que j'ai essayé, j'ai pas tant trippé. Fait que je me souviens plus de leur nom. Là, ce que j'ai en ce moment, je m'étais commandé le Altisocio, le Melozio, puis le Bianco. Ouais. Puis, ils sont tellement bons. Fait que là, genre, je les aime beaucoup, puis ils sont pas trop forts. Tu sais, moi, dans le fond, là, c'est pour faire des cafés glacés ou des cafés, puis moi, j'aime bien boire des lattés. Donc, pas trop de café. Ou même si c'est des grands cafés, c'est pas grave. Je vais juste mettre comme plus de crème à saveur, puis ça me dérange vraiment pas. Ouais. Mais c'est ça, j'aime ça, des cafés plus doux. Fait que je vous demandais ceux qui utilisent un espresso votre coup de cœur, pour que quand je vais devoir recommander, mais je vais déjà avoir une petite liste de qu'est-ce que je pourrais commander. Fait que dans le fond, c'était ça que je demandais aussi. De la jasette? Ouais. Après ça, suite aux recommandations que j'avais demandé sur Instagram, je me suis fait un panier Shein, en tout cas. 5 morceaux. Fait que j'ai bien hâte de recevoir en ce moment. Je crois que hier, j'ai reçu une notification qui était arrivée au Canada. Fait que j'ai bien hâte de recevoir ça. Parce que je me suis comme commandé une robe t-shirt. Je me suis commandé une paire de leggings. Je me suis commandé deux ensembles, genre chandail et short. Mais c'est comme un ensemble, genre un peu comme je pourrais utiliser comme pyjama. Parce que là, j'utilise encore mon pyjama de Noël. Je suis vraiment rendue pour me rééquiper de pyjama. Fait que c'était pas trop cher. Fait que j'ai commandé deux ensembles comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai commandé, Léo? Tu te souviens-tu? Je pense que c'est tout. Non, il manque un kit, je me souviens pas c'est quoi. Fait que j'ai bien hâte de voir si la qualité, prix et tout, si ça fait bien. Là, tu sais, moi, dans le fond, j'avais reçu comme indication de suivre les commentaires. Fait que regarder, mettons, ce que le monde écrivait par rapport à s'il fallait que je me fie à ma taille ou pas, ou prendre une grandeur de plus et tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai bien hâte de recevoir ma commande. Puis là, en fin de semaine, genre, dans le fond, j'ai quand même beaucoup perdu de poids. Puis pas vraiment en m'entraînant, en fait, là, genre, je prends des marches avec Léo, j'aime vraiment ça. Mais genre, depuis que Léo mange pas mal tout ce qu'on mange, j'essaie de tu sais, genre, je donne beaucoup plus de légumes et de fruits qu'avant, on mangeait pas tant. Fait que là, vu que j'en ai, puis j'en donne à Léo, ben souvent, j'en mange. Fait qu'en mangeant bien... T'es tombée!
Fait qu'en mangeant bien, je pense que ça l'aide beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis rendu compte en sortant mon linge d'été que, tu sais, c'est rien négatif, là. Mais toutes les petits shorts que je mettais en dessous de mes robes pour genre, tu sais, en tout cas, pour m'aider avec mon petit mou de bedaine, là, tu sais, mon petit mou de bovante, là. Je mettais comme des shorts pour camoufler puis genre tenir mon mou un peu. Mais là, ils sont vraiment rendus grandes. Genre que hier, quand j'ai voulu mettre une robe, j'ai mis mes shorts. Puis genre, j'ai comme tiré mes culottes, puis je suis capable de démonter jusqu'en dessous de mes seins. Imaginez-vous, ils sont vraiment rendus grandes, là. Fait que là, ben, faut que je m'en achète. Mais là, je sais pas où acheter ça. Fait que c'est pour ça qu'hier, j'ai demandé sur Instagram à quel endroit je pourrais me trouver ce genre de pantalon-là. Fait que c'est ça, je vais regarder voir, là. J'ai eu pas mal de place, fait que je vais regarder. Là, c'est ça, en fin de semaine, en plus de ça, ben genre, j'ai une de mes brassières qui, comme le petit anneau, il a sorti. Fait que là, moi, j'avais l'anneau qui pognait, qui sortait tout de suite, là. J'avais genre ça qui sortait. Oh là là. Fait que là, hier, je me disais, ah, je vais aller voir pour des, justement, des shorts, puis je vais aller voir en même temps pour une brassière. Là, je vais à l'aubainerie, là, il n'y a pas ce que je veux. Je m'en vais, je me dis, mais aller voir chez Motchoc. Plus de courant, ils prennent juste l'argent, content. J'ai pas d'argent sur moi. Fait que je m'en vais, je suis comme, mon Dieu, Seigneur. C'était un gros lundi. Ah, oh, fait que c'était pas mal ça. Là, aujourd'hui, c'est ça. J'aimerais ça faire mes ongles. Il faut que je trouve une marinade pour le poulet. Là, j'ai fait une salade de couscous avant hier pour la semaine, pour nos repas. Il en reste plus. François m'a dit que le vidé aujourd'hui. Il dit, hier, je me suis tellement apporté un gros blot de salade. Je suis comme, mon Dieu, Seigneur, j'espère donc. Moi, j'en ai apporté un tout petit, puis là, il a visé le reste tantôt. Il dit, mais elle est vraiment bonne. J'ai fait la même salade de couscous qu'on a déjà faite, mais là, j'avais racheté des raisins, puis j'avais mis plus de citron que la dernière fois. En tout cas, il l'a trouvé bien, bien bonne. Fait que là, il m'a dit, j'aimerais ça que tu en refasses une. Fait que là, c'est pas tant long, fait que je vais la refaire. Puis sinon, ben, ça va probablement être ça, là. Genre, on va aller un petit peu dehors, profiter du soleil. Puis ça va être pas mal ça. Léo, qu'est-ce que tu fais? Non. Léo Caron. Merci. Non, non. Genre, il a commencé à faire des coups. Puis là, après ça, il nous regarde en riant. Puis il le fait. Genre, prendre sa bouffe, il nous a regardé droit dans les yeux, il l'a laissé tomber. Puis là, quand on est comme, on le regarde, puis on est genre, non, full, full sérieux, genre, il rit. Je suis comme, ben, ça commence déjà. J'ai allumé ma belle petite bougie des douceurs. La nouvelle que je m'étais commandée il y a un petit moment, j'avais pas encore ouvert vraiment. La numéro 4, qui est au coton frais. Oui, avec une mèche qui crépite, fait que j'aime vraiment ça. Je trouve qu'elle sent vraiment bonne, là. Je l'avais comme pas allumée encore assez super longtemps pour sentir vraiment ce qu'elle sent longtemps. Puis ça sent vraiment, genre, je trouve que ça sent le propre, ça sent le ménage du printemps, ça sent l'été, ça sent bon. Fait que j'ai ouvert ça ce matin pour me mettre un peu dans l'ambiance. Vendredi, je suis allée faire des commissions, puis deviner ce que je me suis trouvée. Des belles tulipes! Là, elles sont un petit peu... elles sont pas vraiment maganées, là. Elles sont bien belles, encore, quand même. Mais... c'est ça. J'étais bien contente, là. Il y avait genre des mauves, il y avait... plein de couleurs que j'avais déjà pris, vraiment. Il y avait rose, jaune,
Mais j'aimerais ça retrouver des blanches, mais en ce moment, j'en trouve pas vraiment. Mais en tout cas, j'ai pris ces cônes de rouge là, bien belles. Je m'ennuyais d'avoir des tulipes, fait que j'étais bien contente d'en trouver. Francis, un peu moins. Mais c'est ça, fait que j'étais bien contente de les trouver. Puis là, je l'ai trouvé aussi. Puis j'étais allée vendredi, hein. Fait que vous savez que d'habitude, c'est le lundi que j'y vais. Puis il n'y en a pas, mais là, j'en ai trouvé. Fait qu'on était bien contents. Il y en avait genre, c'était plein. Fait que je me suis dit, genre, c'était une bonne journée pour y aller. Fait qu'on a acheté ça. On en a bu en fin de semaine. Puis, hey, sérieux, je le trouve personnellement meilleur que le chocolat blanc dans le café froid. Fait que, ouais, je le trouve vraiment meilleur. Il y avait ça puis la cannelle, mais je trouve, j'aime un peu moins la cannelle. Fait que, je l'ai pas acheté, mais je vais peut-être quand même l'essayer. Mais c'est quand même un creamer que je pense que je vais genre un peu me tanner rapidement à l'été parce que je le trouve quand même sucré. Fait que... Léo a beaucoup de jasette. Pour vrai, j'ai vraiment hâte qu'il parle pour comprendre vraiment ce qu'il dit là. Mais bon, je vais vous dire d'autres choses aussi après. Fait que c'est ça, on l'a goûté. Puis je vais vous montrer ma recette tantôt. Tellement bonne. De café glacé avec le... Voyons, la crème à café Starbucks. Puis ouais, Léo a commencé à dire des mots. Il a commencé à dire fini, fermé, parti, tombé, cacou. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Ah, il fait comme. Il fait ça maintenant parce qu'avant c'était vraiment dur les bye-bye. C'est dur à enseigner à son enfant de dire bye-bye à quelqu'un qui s'en va quand on voit personne qui s'en va. Hein? Fait que là, en tout cas, bref, là ça commence à être pas pire. Là. On se pratique beaucoup. Fait que là, maintenant, il fait bye-bye, mais il dit. C'est trop mille. Mais ce qui est drôle, des fois aussi, c'est qu'il dit, mais quand on est parti. Fait que, mettons, des fois, Francis part travailler le matin, fait que on dit bye-bye, papa, puis là, il part à rire. Là. Souvent, il fait genre, il veut pas dire bye-bye. Francis ferme la porte, Francis est parti, puis là, il fait bye-bye. Je suis comme, c'est parce qu'il est déjà parti. Mais c'est pas grave. Avez-vous entendu? Cacou! Il est vraiment cute. Des fois, je suis dans la salle de bain, là, il arrive à quatre pattes en avant de la salle de bain. Je l'entends s'en venir, il vient tranquillement, puis il fait cacou! C'est trop mignon. Fait que, ouais, regardez mes cheveux, ils sont quand même beaux pour une fille qui essaie de coucher les cheveux humides et. Puis là, vous voyez ma repousse de cheveux? Bon, je vais aller à la lumière du soleil, vous allez voir. Tu sais, mon petit brun qui ressort, c'est pas dramatique pour vrai, là. Mais avant que l'été arrive. Puis que genre j'aille au soleil, puis mes cheveux pâlissent déjà à cause du soleil. Je vais me faire faire une petite teinture d'avant-été, vous voyez. Fait que voilà. Là-dessus, ben, je vous donne un dernier chin. Mon café est rendu vraiment froid. J'avais super froid matin, puis je me suis fait un café chaud. Ok, là, il est rendu froid. Parce que je l'ai mis de mes pantoufles vu que j'avais froid, mais là, genre avec mon bobo sur l'orteil, pas de pantoufles, là, ça fait trop mal. Je me mets de même. Fait que là-dessus, ben. Je vais m'amuser avec Léo un peu, puis on se reparle plus tard.
je viens d'aller coucher là. J'ai tombé comme une balle. Fait que là, je me suis dit que c'était comme le moment de me faire un café. Fait que, ce que je disais, pour ma recette préférée, fait que là, à date, j'ai ça. Du lait, bien sûr. De la glace. Mais, je rajoute du coulis de caramel. C'est tellement bon. Genre, je mets ça. Je vais l'installer. Là. Je fais un petit peu comme quand tu vas chercher un macchiato caramel au Starbucks. Fait que là, moi, ça me fait capoter parce que, genre, ça goûte pareil. Là, c'est vraiment bon. Je veux pas parler trop fort vu qu'il vient de s'endormir pour pas le réveiller. Désolée pour le bruit. Parce que je vais partir ma machine. C'est pas que ça l'est réveillé. C'est vraiment cochon, hein, rendu. Je suis comme. C'est pas grave, c'est tellement bon. Fait que là, j'en mets comme partout, comme. Genre, pareil comme quand tu vas t'en chercher un ou. Ok, c'est vraiment bon. Ah, on échappe à côté. Là, je veux pas que ça colle. Fait que là, je mets ma glace. Là, ça coule. Je brasse. Puis là, ben, je mets ça. Puis pour ceux qui sont accro au café, au macchiato caramel du Starbucks, là, je trouve vraiment que ça goûte. Puis tu sais, j'en mets pas trop parce que je trouvais, comme je vous disais, ça goûte quand même sucré. Puis là, j'ajoute tout le temps un peu de lait parce que j'aime bien ça du lait. Là, ça fait ça. C'est tellement bon. Pardon. Donc voilà. C'est du petit macchiato caramel maison de Audrey. Chocolat cassé de Pâques dans le congélateur. C'est si bon. Chocolat gelé, genre. Tant qu'à vous compter qu'est-ce que j'aime bien manger, y a-tu juste moi qui tripe sur genre ça? J'en ai acheté aux tomates et aux légumes. Pour vrai, j'en mangerais comme des chips, là. C'est vraiment bon. C'est ce que je donnais à Léo comme collation. J'aime autant ça, manger ça. Je suis la seule qui trouve ça trop bon, genre. Thank you.
Francis vient d'arriver, il est déjà sa balleuse. Il est rendu 5h10. Rien pour le souper est préparé déjà. Mais au moins aujourd'hui j'ai fait du lavage. On est allé dehors aussi quand Francis est arrivé un petit peu. Puis j'ai pas encore fait ma salade de couscous, fait que d'après moi, ni maison, fait que ça va s'en aller à soir. Je me suis rendu compte aussi que depuis que je suis maman, tout ce que je prévois faire ou je planifie change tout le temps. Finalement, son enfant s'est rempli d'imprévus. Puis là, je viens de faire une petite eau pétillante limonade avec des petites framboises qui est très très bon. Puis c'est ça. J'ai rallumé ma bougie parce que je trouve trop qu'elle sent bonne. J'ai pensé, tiens, comment elle sent bonne! Fait que là, il a rangé toutes les autres que j'ai parce que j'en ai 1, 2, 3, 4. C'est ma cinquième celle-là. Là, ma cinquième. Au diable les brochettes de poulet. Vive le petit sandwich aux œufs. Testez de prendre une petite marche. Je me fais tourner en faisant un tour sur moi-même. Alors voilà ce qui conclut, hein, Léo? Notre mardi ensemble. Ouais, attends. On arrive dans les prendre une marche. J'ai tellement chaud. Ouais, fait que là, Léo va aller relaxer. Après ça, moi, je vais aller prendre ma douche. Hein? Ça a vraiment fait du bien d'aller prendre l'air, mais là, ma petite orteille a fait vraiment mal. Puis finalement, ben les brochettes, on n'a pas mangé de brochettes, hein? Fait que voilà ce qui conclut ma journée. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Puis je vous dis, peut-être que je vais vlogger demain, là, j'ai peut-être des commissions à faire. Peut-être que la prochaine vidéo, ça pourrait être un unboxing. Fait que je vous dis merci, puis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!